L'aire de chaque petit carreau est égale à 1 cm Tracez Tracer un rectangle d'aire 10 cm Alors voilà, ça c'est notre grille et on nous dit que chaque petit carreau a une aire de 1 cm carré. 1 cm Donc ce petit carreau qui est ici, il a une aire de 1 cm2, celui-ci aussi, celui-ci aussi, enfin tous les petits carreaux qui sont là ont tous une aire égale à 1 cm carré. Alors ici, évidemment, ce n'est pas à l'échelle, hein, selon la taille de ton écran, ça ne sera pas 1 cm, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on va considérer les petits carreaux comme des unités de mesure de surface, hein, puisque chaque petit carreau a une R de 1. Alors, on nous demande de tracer un rectangle d'air 10 cm. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu entend par R d'un rectangle Eh bien, en général, l'air d'une figure, c'est l'espace l'espace que couvre cette figure, l'espace qu'occupe cette figure. Donc on va dire ça, c'est l'espace occupé. Et ici, cet espace, on va le mesurer en petits carreaux. Donc ce qu'on doit faire ici, c'est tracer un rectangle de 10 cm, c'est-à-dire en fait de 10 petits carreaux ici. Alors la première manière de faire, ça serait de te faire un rectangle qui consiste en une ligne de 10 petits carreaux. Mais ça, on ne peut pas le faire ici puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seulement, on n'a pas 10 petits carreaux, donc on ne peut pas faire une ligne de 10 petits carreaux. Ça serait pratique, mais là, on ne peut pas le faire, puisque notre grille est trop petite. Et de la même manière, on ne peut pas faire un rectangle qui va consister en une colonne de 10 petits carreaux. Puisque là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc c'est pareil, la grille est trop petite. Alors il faut qu'on arrive à faire autrement. Et l'idée, ça va être de partager le nombre 10 en groupes de taille égale. Donc si on a 10... On peut faire, par exemple, deux lignes de 5. Deux lignes de 5. Si on fait deux lignes de 5, on aura 5 dans la première ligne et 5 dans la deuxième. Donc, effectivement, en tout, on aura bien 10. Alors, je vais, je vais le, le dessiner ici. Je vais me mettre là et je vais tracer un rectangle. Alors, je fais... Ça, c'est une première ligne de 5. Donc, j'ai ici, comme ça, une deuxième ligne de 5. Donc, ça, normalement, c'est un rectangle de 10 petits carreaux. Effectivement, là, j'ai 1, ensuite 2, 3, 4, 5 carreaux ici dans cette première ligne. Et puis, j'ai une deuxième ligne de 5 carreaux. Donc, en tout, j'ai 6, 7, 8, 9 et 10 petits carreaux. Donc, là, j'ai effectivement tracé un rectangle d'air 10 cm, puisque chaque petit carreau vaut 1 cm. Et là, j'en ai 10, donc j'ai bien 10 cm ici. Alors, évidemment, tu peux tracer ce rectangle n'importe où, ça n'a aucune importance. On aurait pu le faire par exemple ici, hein. voilà, comme ça, ça, ça aurait été tout à fait possible, n'importe où ailleurs sur la grille. Hein. La seule chose qui compte, c'est qu'on ait bien deux lignes de cinq petits carreaux. Et en fait, il y aurait même une autre façon de faire qui serait de, de faire non pas deux lignes de cinq petits carreaux, mais cinq lignes de deux petits carreaux. Alors, ça, je peux le faire par exemple ici. Donc là, je fais une première ligne de deux petits carreaux. Une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième. Voilà. Là j'ai cinq lignes de deux petits carreaux. Et en tout, on a bien dix petits carreaux. On peut le vérifier. Là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix petits carreaux. Et bien sûr, tu peux tracer ce rectangle n'importe où ailleurs dans la grille. Et l'important ici, en fait, c'était d'avoir réussi à décomposer le nombre 10 en groupes de taille égale.